Bienvenue sur Informatio, c'est l'été, bon, il se passe pas grand chose sur cette chaîne, actuellement je suis surtout occupé à faire des traductions, et en attendant de vous parler d'un autre bouquin, je me suis dit ce serait pas mal de faire un récapitulatif sur ce que j'ai à dire de la télévision, sur ses problèmes, ses inconvénients, et pour résumer un peu les informations que j'ai distribuées sur les vidéos où je vous ai lu des extraits de TV Lobotomie et Divertir pour dominer. Sachant qu'il y a d'autres bouquins, il y a d'autres sources, hein. Moi j'ai travaillé à partir de ceux-là, mais il y en a d'autres. Mais voilà, ça intéresse pas forcément tout le monde de regarder des vidéos où un mec va lire un bouquin pendant 1 heure. Donc j'ai fait cette vidéo pour pouvoir présenter de façon plus simple, de façon plus facile à assimiler les arguments contre la télévision. Pour ceux qui, comme ça, n'ont pas vu les autres vidéos, ils ont une version simplifiée ici. Et puis, ce qui pourrait être intéressant, c'est comme ça vous pouvez l'utiliser aussi pour pouvoir avoir des arguments chocs en fait à balancer quand vous discutez avec quelqu'un ou sur les réseaux sociaux. Donc j'ai simplifié ça à, on va dire, 6 arguments, encore que c'est 5,5 ou 6,5, je ne savais pas trop, mais on va dire qu'il y a 6 arguments, ok? Je commence par le premier, on y va tout de suite. Alors la première chose, celle qui est la plus frappante mais qui n'est pas forcément la plus évidente, c'est que la télévision est un gouffre existentiel. Je vais lire en même temps parce que j'ai écrit. Hein. La télévision, c'est le véritable dieu du foyer. On gravite autour d'elle, dans chaque salon et chaque chambre, comme ses adorateurs éternels. Elle devient l'occupation par défaut dès que nous nous sommes occupés de ce que nous sommes obligés de faire chaque jour. Le français moyen la regarde plus de 3 heures par jour. Pour TV Lobotomie, pareil, la source, ce serait 3h40. Vous voyez? Quand je dis plus de 3 heures par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le français moyen passera environ 16 années de temps éveillé, dans une vie entière, à regarder des conneries qu'il aura oubliées le lendemain. Alors selon d'autres sources, c'est pas 16 années, c'est 11 années, je sais pas s'ils prennent en compte le temps de vie éveillée ou pas. Vous êtes d'accord que c'est une grosse partie de votre vie quand même. Et après on trouvera le moyen de dire que la vie est trop courte, et qu'on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire la journée. 16 années, jetées à la poubelle. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes né? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes en vie? Ensuite, le truc que... qui n'est pas forcément une évidence pour tout le monde, mais il faut quand même regarder les choses en face, c'est que la télévision rend accro. Je vais vous dire pourquoi. C'est un peu un sous-argument de ce premier argument. Indépendamment de ce que vous regardez, regarder la télé mène à la regarder toujours plus longtemps. C'est des trucs qui sont prouvés par des études, hein, c'est dans les bouquins que je vous ai cités. L'écran et son flux d'images et de sons ininterrompus, en changement constant, provoquent ce qui s'appelle la réaction d'orientation. C'est un mécanisme ancestral de vigilance envers les mouvements de prédateurs potentiels. C'est-à-dire que ça vous aura pas échappé, de toute façon, tout le monde sait à peu près ça, c'est que la télévision a ce don de capter immédiatement votre regard, et votre regard s'y fixe comme une moule au rocher. C'est un peu plus évident aussi pour les enfants. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans une pièce, à partir du moment où il y a une télévision d'allumée, tout de suite, votre regard va être porté vers elle. Vous remarquerez que c'est la même chose qui se passe quand vous avez dans certaines villes des publicités, des panneaux publicitaires vidéo. Hein, c'est plus des affiches, maintenant c'est des vidéos. Bon, vous ne pourrez pas vous en empêcher quand vous êtes dans la voiture, vous arrivez au feu rouge, hein, puisque ça arrive au feu rouge, hein, c'est pas placé n'importe où. Vous allez la regarder cette publicité parce que c'est une vidéo. Vous voyez des lumières, vous voyez des images qui bougent, des coupures, des séquences qui s'enchaînent rapidement. Et à la télévision, en plus de ça, vous avez les sons qui s'ajoutent, etc. Ce qui fait que ça va vraiment capter votre attention. Mais c'est un truc physiologique, quoi, vous y pouvez rien, vous pouvez rien. Alors avec ce mécanisme, le rythme cardiaque ralentit, les vaisseaux sont contractés dans le corps, mais dilatés dans le cerveau. Ce qui le rend plus réceptif, mais aussi aura le don de l'épuiser. Bref, ça fait que vous devenez un légume prêt au bourrage de crâne, et il devient difficile de quitter l'écran du regard. Deuxième argument, ce que j'appelle la zombification. Pour comprendre ce qu'elle voit à la télévision, votre conscience va automatiquement suivre les flux d'images et de sons, puisque c'est leur enchaînement qui crée du sens, comme quand on écoute de la musique. Hein, si on met sur pause, il se passe rien, ça ne veut plus rien dire. Si vous mettez une image sur pause, c'est juste une image et rien d'autre. Ce flux d'images et de sons, elle va y adhérer, s'y fondre, parce qu'elle ne peut pas être à deux endroits à la fois. Vous allez vous oublier. Ça, c'est ce qui est le plus aliénant dans la télévision. C'est que quand vous la regardez ou quand vous allez au cinéma pour regarder un film, vous allez vous oublier parce que vous êtes plongé dans ce qui se passe, la conscience y adhère, et vous allez devenir ce que vous regardez. C'est ce qui fait qu'on peut plus facilement vous faire croire à n'importe quoi à travers la télévision, et que vous vous sentez si vide après le film ou la série du soir. Alors quand je dis c'est ce qui fait qu'on pouvait plus facilement vous faire croire n'importe quoi, ça je l'explique dans l'argument d'après, hein, mais c'est un truc, c'est pareil, vous y pouvez rien, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça, il voit des images, on a filmé un truc dans la réalité,
Bon, il se dit c'est le réel, quoi. Mais on va reparler de ça dans l'argument suivant. Dans les années 60, Herbert Krugman, psychologue en chef de marketing de General Electric, avoue être fier, selon ses dires, hein, ces gens-là, ils vous cachent rien, il faut juste s'intéresser à ce qu'ils disent, avoue être fier de recruter les meilleurs laveurs de cerveau parmi les publicitaires. C'est leur boulot, rappelez-vous. Hein. General Electric fabriquait des télés et des armes. C'est intéressant. On dit qu'il faut pas mettre ses œufs dans le même panier, mais c'est intéressant, télé et armes. Bon. Il possède maintenant tout un tas de chaînes et de réseaux satellites. Vous croyez que la pub ne marche pas ? Pourquoi pensez-vous qu'ils dépensent des milliards et qu'ils sont à la pointe de la recherche sur l'étude du cerveau et du comportement ? Ça fait des années, ça fait des décennies et des décennies qu'ils dépensent des milliards pour être à la pointe de la recherche sur les réactions du cerveau par rapport à des stimuli, sur la PNL, la neurolinguistique, tous ces trucs-là. Tout ce qui est bon pour pirater votre cerveau, ils sont à la pointe. C'est pas parce que vous vous en rendez pas compte que ça ne se passe pas. C'est fait pour passer sous le radar. Qu'est-ce qu'on appelle une bonne propagande ? Je sais plus qui avait dit ça, mais quelqu'un avait dit une bonne propagande. C'est celle qui est en action, mais vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a une propagande en action. C'est ça une propagande réussie. Vous n'êtes pas censé savoir qu'il y en a une. Troisième argument. Bon, à partir de là, ça devient un petit peu plus verbeux. Hein. Je me suis étalé. Fabrication d'une fausse réalité et contrôle de l'imaginaire collectif. Pensez bien à ça. Non seulement la télé permet de tout truquer au montage et en post-prod, mais on a vu aussi qu'elle rend le cerveau réceptif, mais sans vigilance, sans esprit critique. Il est éteint. Vous ne pensez pas que ceux qui investissent dedans sont plus qu'intéressés par sa capacité de manipulation ? Celui qui possède les chaînes possède la capacité de réécrire le réel et tromper notre perception du réel, à volonté. Parce qu'on ne pourra jamais voir de nos propres yeux, en ayant la propre expérience nous-mêmes, si les images rapportent le vrai ou non. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un truc circuler sur Facebook. C'était... quelqu'un qui avait filmé avec son portable, des journalistes en Angleterre, après un attentat ou un truc comme ça, je sais pas, qui filmaient un soi-disant rassemblement de musulmans. Il ne s'agit pas de dire que les images que vous voyez sont fausses, ce sont celles dont on vous prive qui en font un mensonge. La vérité, soit vous l'avez en entier, soit vous ne l'avez pas. Une moitié de vérité, on en fait un mensonge. Faut que ce soit intégral. Séquence tronquée, chronologie modifiée, voix off, narration, contexte dans lequel on vous présente un document. Hein, souvent les journalistes n'hésitent pas à en faire, eux qui sont censés être neutres, et simplement faire vous donner des faits et rien d'autre. Ne se gêne pas pour faire toujours tout un tas d'observations, utilisez de la novlangue pour déjà interpréter avant même que vous ayez vu les images, et que vous sachiez même avant d'avoir vu les images ce que vous êtes censé en comprendre, hein, le contexte dans lequel on vous présente le document, donc. Tonalité et commentaires biaisés des journalistes, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi la musique, les effets graphiques qui orientent la perception d'une séquence. Bref, on fait dire ce qu'on veut aux images. Hein. Si vous voulez un exemple concret, cherchez « Mensonge AFP » sur YouTube. Dicen los medios de comunicación del imperialismo. Y lo repiten como loros sus lacayos en estos países. Que Ahmadinejad está en Caracas. Que Ahmadinejad dar Caracas para estar de Venezuela. Porque en este mismo instante a las 2:30 de la tarde. Será que dar Hamin Suad que dar un duvení me va a dar Zohras. Vamos Ahmadinejad y yo. Hoy Ahmadinejad va a bande. Casi que desde los sótanos. De Miraflores. Que miren dar boca dochele coge Miraflores. A afinar la puntería rumbo a Washington. Dar zir zemine in coj dumbol in hasim que hadafkiri bokonim. Van a salir de aquí unos cañones muy grandes. Va az inja bo in hadafkiri yek seri dar boca khompare be tarafe. Y unos misiles. Va yek seri mushak. Porque vamos a atacar Washington. دنبال این هستیم که حمله بکنیم با این موشک ها و خمپاره ها به واشنگتن. Casi que eso es lo que están diciendo. Ahmadinejad et moi, depuis le perron du palais présidentiel,
à affiner la punterie rumbo à Washington. Viseront Washington avec des canons et des missiles. Parce que nous allons attaquer Washington. À savoir que l'AFP fournit toutes les infos des journaux sans qu'on les remette en question. Quand vous avez vu cette séquence et que vous vous dites c'est de l'AFP qui est la source principale de toutes les infos, je veux dire, c'est impossible de croire, de prendre quoi que ce soit au sérieux quand on vous offre des séquences avec des doublages, des soi-disant traductions de chefs d'État étrangers, etc. Ces gens-là vous plongent dans une fausse réalité entièrement fabriquée. Ça vaut pour tout type de programme. D'après Bill McKibben, il dit « Les documentaires naturalistes, c'est intéressant, sont aussi absurdement chargés d'action que les soap-opéras, dans lesquels des vies entières de divorce, d'adultère et de mort soudaine sont concentrées en une semaine de visionnage. Essayer de comprendre la nature, entre guillemets, en regardant la vie sauvage est aussi difficile que d'essayer de comprendre la vie en regardant Dynasty. » Pareil, tout ça est artificialisé. Quand les caméras tournent pas, vous savez pas si ils ont d'eux-mêmes provoqué des situations, des réactions, si c'est eux-mêmes qui ont apporté des animaux d'un zoo, on ne sait pas. La plupart des choses prétendument naturelles sont scénarisées, et tous les artifices sont bons pour repartir avec les images qu'on voulait. Il y a déjà un scénario à l'avance, hein. En réalité, ils savent déjà ce qu'ils veulent avoir quand ils viennent filmer un truc, même si c'est soi-disant spontané. Non contente de pouvoir faire croire à des pseudo-réalités dans ces reportages ou ces documentaires, la télé investit également notre imagination. Bon, vous pouvez considérer que c'est encore un sous-argument, ça. Consommer de la fiction à gogo ne développe pas l'imagination. Au pire, elle l'atrophie, car elle ne fait que donner un imaginaire prêt à consommer. Sachant qu'en plus, ça se recycle, avec rediffusion sur rediffusion, vous avez des gens qui copient des gens, qui copient des gens, qui copient des gens. Au final, vous avez plus que des archétypes et des univers complètement caricaturaux, et des scénarios qui se répètent et qui se répètent. On change juste les personnages et le décor, mais c'est tout le temps la même chose, en fait. Faire un effort d'imagination ne consiste pas à visionner une fiction pensée par quelqu'un d'autre. Ça consiste à utiliser sa tête, trouver des solutions originales par soi-même. Quand une gamine décide de se prendre pour Dora dans un jeu de rôle, elle n'a strictement rien inventé. Elle ressort un personnage tout à fait créé par quelqu'un d'autre à sa place. Elle peut imaginer des choses au cours du jeu, mais je veux dire, elle est partie avec du prêt-à-penser, en fait. C'est-à-dire que la télévision a réussi à créer, à s'investir dans son imaginaire et à le construire elle-même. C'est pas la gamine qui l'a construit, c'est la télé qui l'a fait à sa place. C'est ainsi que la télévision et ses divertissements non seulement n'encouragent pas l'imagination, mais notre imaginaire sera envahi par ces créations dans lesquelles il puisera constamment. Combien de fois n'avez-vous pas entendu, hein, par exemple, « Non mais allô, on devient ce qu'on consomme ». Allez-vous laisser des marchands de rêves motivés par l'argent, et pas par autre chose, et parfaitement conscients de leur pouvoir, construire votre réalité ? Quatrième argument, le mythe de la qualité et la destruction de l'intelligence. La télévision est trop contraignante pour fournir de la qualité, si tant est que les spectateurs la réclament. Parce que, comme le dit de Murger dans TV Lobotomie, tout le monde dit « Ah bah oui, à la télévision, il y a des trucs intelligents, il y a Arte, tout ça. » Moi, j'adore Arte. Quand on regarde les sondages, les chiffres, Arte, c'est, genre, je sais pas, 1 ou 5%, et tout le reste regarde TF1, quoi. Contrainte de temps et d'audience. Pensez qu'il faut au minimum un an de travail acharné pour fournir un excellent documentaire. Mais les chaînes doivent assurer des millions d'heures de programmes par an. Et on a aujourd'hui des centaines de chaînes. Le temps sera donc rempli par du prédécoupé, du pas cher, de la vacuité. Soap-opéra, des jeux débiles, télé-réalité, sport, maintenant sport 24h sur 24, l'opium du peuple. Débats bâclés, les incessantes rediffs et téléfilms de super-héros américains. Contrainte d'audience, puisque le programme devra fédérer un max de spectateurs. Et les gens qui s'occupent des programmes, les directeurs de programmes, s'inquiètent vraiment de savoir si le moindre truc dans une production ne va pas être clivant, ne va pas désintéresser quelqu'un ou quoi. Donc on évite tout ce qui segmente, trop exigeant au niveau de l'attention ou du langage, trop niché, trop original et inédit, audacieux et imprévisible, trop nuancé, ce qui tire tous les programmes vers le bas. Tout doit être stéréotypé, normatif, simplifié à outrance pour être compris même par une huître si on veut assurer de l'audimat. Tout le monde doit pouvoir se retrouver dans un programme unique. Espérer le programme qui va relever le niveau, c'est un peu comme prendre des plats préparés dégueulasses toute la semaine et prendre des fruits et légumes frais pour le dimanche soir. Même les programmes soi-disant intello sont indigestes parce qu'on invite 10 brailleurs à se couper la parole en permanence. Et évidemment, on ne laissera jamais l'antenne à quelqu'un de subversif. La télé détruit l'intelligence.
Des études montrent que plus un enfant regarde la télévision, plus il sera en difficulté scolaire et inversement. On remarque que presque 20 années après que la télévision soit apparue aux États-Unis, c'est-à-dire dans les années 50, les résultats au test verbal standardisé du pays, je crois que ça s'appelle le SAT, qu'on passe vers 18 ans, ont subi une chute considérable. Dans TV Lobotomy, ils montraient un graphique avec les courbes et tout ça, on voyait bien qu'il y avait une inversion proportionnelle. Enfin, au moment où ils atteignent le moment de passer le test, il y a une chute. On fait le lien entre télévision et les déficits d'attention et de concentration, et sur la pauvreté langagière. Ce qui revient à dire la pauvreté de la pensée elle-même, notamment grâce à l'étude de la population d'un village, et après que la télévision ait envahi leur foyer. Parce qu'il y a eu une étude dans un village où ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas encore l'antenne qui passait, qui était installée, les gens n'avaient pas encore la télévision, ils étaient en décalage par rapport à leurs voisins, donc ça permettait d'avoir l'échantillon idéal pour faire la comparaison, faire plusieurs études de groupe, télé, pas télé, et voir ce qui se passe vraiment. Parce qu'évidemment, à notre époque, tout le monde la regarde, donc c'est très difficile de faire ce genre d'expérience. La comparaison de l'intelligence à tous les niveaux, faut lire TV Lobotomie, c'est vraiment une expérience qui est revenue très régulièrement dans le livre, ils ont fait toutes sortes d'expériences différentes là-dessus. La comparaison de l'intelligence à tous les niveaux entre les gosses du village sans télé et un village recevant la télé était sans appel. Entre guillemets, la télévision altère le développement cognitif des enfants en substituant des pratiques fonctionnellement pauvres, c'est-à-dire regarder la télévision, à des expériences intellectuellement formatrices. C'est-à-dire que l'autre chose dont parle le livre aussi, qui est vraiment très important, à savoir quand on a des enfants, je ne sais plus combien de pédiatres recommandent de ne jamais laisser son enfant devant la télévision plus d'une heure par jour, et même moins si possible, jusqu'à un certain âge, parce que le développement d'un enfant doit se faire par rapport au réel. Il se développe en parlant à des gens, en interagissant avec des gens, avec des choses qui bougent, avec des choses qu'il peut toucher, manipuler. Un écran, il ne comprend pas, ça ne lui apporte absolument rien du tout. Il va juste rester là comme ça, comme un légume devant l'écran, et son développement, qui est un stade le plus important de toute la vie, il vient juste de naître, il a tout un tas de choses à apprendre, va être annulé, enfin retardé, quoi. Le livre sur lequel je me base parle également d'un effondrement de 50% du temps de lecture quand une ville pouvait recevoir la télévision. De même, le lien a été établi entre le fait qu'un plus un enfant regarde la télé, moins il lira. Donc il y a la réponse dans le problème. Hein. Cinquième argument, on n'est pas loin de la fin. Un outil de domestication. La télé est un outil de domestication qui s'attaque à la racine même de votre pensée. Lorsque l'on est tous branchés au même média, notre pensée et notre vision du monde s'uniformisent. Aucun outil n'est plus approprié que la télévision pour uniformiser la société et la rallier entièrement à sa réalité factice, on a vu pourquoi, car elle est, encore malheureusement, dans tous les foyers. La télévision diffuse un réseau d'idées et de photographies truquées massivement, de façon que toute la population voyant et écoutant la même chose, si tout le monde le voit et y croit, alors rien n'est à remettre en cause, car le mimétisme est très puissant dans la société. On n'ose pas faire les choses quand personne le fait, et quand tout le monde fait quelque chose, on se dit « bah, il faut le faire ». C'est-à-dire, croire ce qu'on nous dit nous épargne l'effort de devoir réfléchir nous-mêmes. C'est une sorte de paresse intellectuelle aussi de croire tout ce que disent les autres, comme ça on n'a pas à le vérifier, on n'a pas à réfléchir. Ça simplifie. Mais au final, on ne fait que valider collectivement les suggestions venant d'une source unique, et sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle de production. C'est-à-dire que vous et moi, nous ne sommes pas les gens qui produisent les programmes à la télévision. On n'a absolument aucun pouvoir sur ces choses-là. On ne participe aucunement à la réalité qui est construite par ce média. Ça appartient à des gens qui sont bourrés de fric et dont les intentions sont douteuses. Nous sommes tellement plongés dans cette mentalité de spectateur, au lieu d'être un acteur, qu'aujourd'hui, regarder quelqu'un chercher un appart est un divertissement réunissant assez d'audience pour mériter d'être à l'antenne. Pourquoi pas une émission de moi qui va faire les courses? Même les choses banales du quotidien sont devenues un sujet de divertissement, tellement nous sommes incapables de nous affranchir de l'écran, et même ces programmes frivoles sont enrobés d'idéologies subtiles, et parfois imperceptibles, qui redéfinissent nos conventions sociales sans qu'on le sache. La télé ne portera jamais d'idées radicales, qui va à contresens. Au final, la conclusion sera toujours qu'il nous faut consommer, croire au progrès, être républicain, suivre les modes et le zeitgeist de l'époque, c'est-à-dire c'est l'esprit de l'époque. Aimer l'Europe, évidemment sans distinguer le continent lui-même et ses peuples, du projet de totalitarisme bureaucratique centralisé. La télévision vous encouragera même à vous rebeller pour anticiper l'esprit de révolte qu'elle a elle-même suscité. Hein, la publicité vous vend à longueur de temps la rébellion. Elle anticipe l'esprit de révolte, mais seulement pour aller dans le sens du marché, pour vous ramener dans le bon sens. Tout ce qui est contraire à ces idéologies n'apparaîtra que pour être ridiculisé, critiqué ou présenté comme excentrique et extravagant. Et si c'est trop radical, ce sera tout bonnement ignoré. Ce qui est pire que d'être critiqué, car au moins si c'est critiqué, c'est qu'on accepte que ça fasse partie de votre imaginaire. On accepte que vous soyez au courant que ça existe. Même si la télévision vous fournit évidemment ses,
ces oppositions contrôlées en vous présentant des gens qu'on dit réac et conservateurs et qui forment des espèces de pseudo-oppositions sur les questions sociétales, etc. Ce pouvoir d'uniformisation va même jusqu'à redéfinir notre vocabulaire. C'est très important parce que c'est à partir des mots qu'on contrôle la pensée des gens. Et du jour au lendemain, ils ont tous des mots comme dérapage ou fake news à la bouche que tout le monde va réutiliser, alors que ce genre de terme n'avait aucune réalité auparavant, ou qu'avant on utilisait des mots plus pertinents à la place. Ça me fait penser, il y a un type qui avait fait un espèce de spectacle, c'est un peu moitié spectacle comique, moitié politique, où il parlait de ça, la novlangue. Et il disait qu'à une époque, les pauvres, on appelait ça les exploités. Donc ça signifiait un exploiteur. Et qu'après, on appelait ça les défavorisés. Donc ça veut dire ils sont pauvres, c'est qu'ils n'ont pas eu de chance. C'est la faute à pas de chance. Ça s'appelle de la novlangue. Remplacer un mot par un autre pour enlever tout ce que ça a de gênant pour le système, en fait. Frappe chirurgicale. La chirurgie, c'est pour soigner. Une frappe chirurgicale, du coup, c'est cool. Ce genre de terme servira à vous dire ce que vous devez penser de quelque chose, tout en se donnant l'apparence d'être un mot neutre et objectif. De toute façon, il n'y en a pas d'autres à utiliser à partir du moment où on n'utilise plus que celui-là. Cela s'appelle de la novlangue, et le principe est de créer ou de remplacer des mots existants qui vous empêcheront de pouvoir penser au-delà du paradigme de la pensée unique, parce que les mots qui vous le permettent n'existeront plus, ou qu'on aura injecté l'utilisation de mots moins dangereux à leur place. C'est une domestication par le langage. Comme Aldous Huxley a essayé de nous expliquer dans son livre « Le meilleur des mondes », la stabilité sociale consiste à faire désirer aux gens ce qu'on a programmé pour eux. Programmé, c'est le petite remarque rigolote. À la télévision, on appelle ça, ce qu'on vous présente, on appelle ça des programmes. Des fois, les mots nous disent des choses assez intéressantes et rigolotes. Qu'est-ce qui est programmé ? J'arrive au dernier argument, le sixième, avant de passer à la conclusion. La télévision est un concert de haine et de violence. Des études sur l'influence de la télévision et les comportements violents existent depuis des décennies et concluent à une influence sur l'agressivité, la désensibilisation et la peur. Alors, sur ce sujet, les gens pensent tout de suite à des effets perceptibles, voire spectaculaires. Mais on parle ici d'un phénomène qui se rapprocherait plus de la pollution de l'air. C'est un environnement dans lequel vous baignez, et si vous êtes plongé dedans quotidiennement, vous ne serez pas alerté par ces effets, car ils formeront une habitude, une norme, mais il y a bien une pollution qui est en cours. Quand on parle de comportements ou de valeurs violentes insufflées par la télévision, on ne parle pas de gens qui deviendraient des psychopathes. Pensez plutôt à la manière dont le café augmente votre agitation. De même, un régime télévisuel riche en scènes violentes, en tragédies et en émotions négatives, multiplieront votre potentiel de réflexes agressifs, d'animosité verbale et de réactions de mépris ou de colère qui ne surviendraient pas dans un état mental plus serein. Si vous voulez plus de chiffres parce que vous êtes dubitatif et que vous trouvez ça un peu tiré par les cheveux, lisez le bouquin TV Lobotomie. Là, vous aurez plus de choses concrètes. D'après l'Académie américaine de pédiatrie, sur 3500 recherches, seules 8 n'ont pas montré de relations positives entre violence médiatique et comportement violent. C'est quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Examinez un peu la teneur des programmes et des films ou téléfilms, en particulier américains, dont nous sommes submergés, pour constater comme la télé nous fait baigner régulièrement et quotidiennement dans l'agressivité, le meurtre et la haine. Ces émissions de télé-réalité où le gros du scénario consiste à montrer des gens se comporter entre eux comme des connards, ces séries incapables de proposer un scénario sans viol ou assassinat, le téléfilm américain de l'après-midi qui vous raconte toujours de belles histoires de babysitters psychopathes, de femmes harcelées par des prédateurs, le journal évidemment constitué de ces drames quotidiens, la culture clash des émissions poubelles de pseudo-célébrités. J'en passe, vous pourrez en faire l'étude vous-même. Voici de quel genre de divertissement vous êtes censé vous repaître et c'est diffusé en boucle. En exemple, une étude parue chez Le Point se proposait en 1988, ça a empiré depuis, hein, de visionner l'ensemble des programmes des 6 chaînes hertziennes pendant une semaine. On n'est plus à 6 chaînes depuis. Ils ont dénombré 670 meurtres, 848 bagarres, 419 fusillades, 15 viols, 27 scènes de torture, 9 défenestrations, 14 enlèvements, 32 prises d'otages, et ma source s'arrête sur un etc. Pourquoi la télévision diffuse autant de violence ? Si vous ne le saviez pas, c'est un début de réponse, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, ça va plus loin. La tension émotionnelle vous rend plus réceptif et conditionnable. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. Une bonne affaire autant pour les vendeurs de soda, qui balanceront leur pub pendant un thriller, que pour l'organisme politico-médiatique, qui sortira un max de sujets angoissants avant les élections. Pareil, TV Lobotomie en parle, avant les élections, il remarque qu'il y a une grosse recrudescence sur des sujets complètement sordides et glauques. Donc la conclusion,
C'est-à-dire mon message, le message que je vais vous transmettre par rapport à tout ce qui a été dit ici, tout ce qui est su, et que vous pouvez creuser en lisant des bouquins, c'est que virer la télé, c'est retrouver plus de contrôle sur sa vie. La télévision est un appareil de programmation des consciences. Elle agit directement sur votre imagination, votre vision du monde, votre perception de la réalité, pour vous domestiquer et conformer vos pensées à ce que ses propriétaires attendent de vous. C'est le premier élément de destruction de la socialisation du peuple, de son rapport au réel et de son libre arbitre. C'est l'instrument de propagande le plus efficace jamais conçu pour les 1% qui veulent posséder et entièrement contrôler le monde. C'est de ça qu'il est question. Le contrôle total. On y avance des jours de plus en plus. Vous ne possédez pas réellement votre vie si vous regardez la télévision, parce qu'elle influe imperceptiblement sur votre conscience même. Et n'allez pas croire que vous êtes plus malin que des gens qui dépensent des millions en recherche sur nos comportements face à des stimuli vidéo ou autres. Le remède est cependant incroyablement simple. D'abord couper l'écran, ad vitam aeternam, et pour remettre en marche notre cerveau atrophié et muscler nos défenses intellectuelles, il faut se mettre à lire des bons livres quotidiennement et trouver de nouvelles activités pour remplacer cette non-activité qui est la télévision. Sur ce, voilà, je conclue. Je pense que je reparlerai pas du sujet de la télévision avant un bon moment. Maintenant, je vais passer à d'autres sujets parce qu'on va pas passer notre temps là-dessus. Donc, j'espère que ça vous aura été utile. Et bonnes vacances d'été, si vous en avez. À la prochaine.